Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est le vlog de mon anniversaire. Du coup vous allez me suivre dans les préparatifs, les tracas. Je vais essayer de tout filmer, les préparatifs, les petits tracas. Parce qu'il n'y a rien qui se passe toujours tranquillement. Du coup voilà. J'espère que ce vlog vous plaira. Et puis c'est parti. J'espère que ça va bien se passer quand même. Et puis voilà quoi. Il y a un peu d'embouteillage en plus, mais bon, ça va le faire. Je suis... Il y a rien qui va, je suis fatiguée. Bref, je vous disais que je vous reprends comme je vous ai dit tout à l'heure. Là, j'ai été récupérée. Tout ce qui est boisson, aussi quelques courses qui ont été faites et tout. Et voilà, c'était le programme d'aujourd'hui. Mais attendez, il faut aussi qu'on se pose et qu'on parle. Organiser un anniversaire, c'est stressant, c'est fatigant, c'est épuisant, c'est tout. C'est fatigant. C'est fatigant. J'en peux plus. One eternity later. Est-ce que vous me voyez bien là? Est-ce que je suis bien cadrée? Je suis en retard, hein, mais c'est moi qui vous parle. Je sais pas qu'est-ce qui va pas dans ma tête, mais bref. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Logiquement, vous allez bien parce qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Wow, je suis excitée comme une puce. Bon, je vous accueille un peu comme ça. C'est pas cool, mais on va se reprendre, ne vous inquiétez pas. C'est que le début du vlog. Enfin, bon, le début du vlog. D'ailleurs, je sais pas où est-ce que je vous ai laissé. Mais il m'est arrivé plein de petites péripéties. C'est pour ça que j'ai un peu laissé le vlog à l'abandon parce que ça m'a... gonflé, mais ça va bien se passer, je vais me reprendre. Je pense que à la fin du vlog, je vous ferai une story time pour vous expliquer toutes les petites péripéties qui me sont arrivées. Puis voilà quoi, today is the day, on va faire la fête, on va faire la prime. Du coup, là, au programme, il faut que j'enlève ce que j'ai sur le visage déjà, ce serait pas mal, que je me lave, que voilà, et puis c'est tout pour l'instant. One eternity later. On peut partir, hein. Je suis fatiguée. Oh, je suis fatiguée. Hein. Bon, c'est pas possible. Mais bon, ça va aller, ça va le faire. On peut y aller. Rien oublié. Mais c'est bon. Sur mes chaussures. Ah, c'est quoi ça? Regarde, on dirait que je pars à l'autre bout du monde. Elle a tué pas. Oh, pardon. Vous voulez pas dire bonjour. Coucou. Salut. Moi, c'est Yolande. J'ai déjà tout pour la fête. Voilà. Donc, si vous avez besoin de décoration, vous pouvez aller chez elle. Monsieur, vous voulez dire coucou? Monsieur?
Vous voulez dire coucou, coucou. Faites coucou. Ok, merci. Souffle. Pourquoi c'est pas Romain? Non, oui. Cette année, je ne mets pas pour elle. Ça la fini. Ok. Pour réserver mon gâteau. Ok. Pourquoi tu souris avant de dire aussi? C'est pas le faux, hein? C'est pas. Drop the roof and let the smoke clear. I got diamonds doing tussy slides in both ears. Dice rolling on the Las Vegas strip tonight. Slip that on and we might miss a fight. Fuck a night, I keep the wallet in my shorty bag. See that? Du coup là, je vais vous faire un grand tour de ma chambre. Du coup voilà, c'est comme ça. Bon là, il y a la télé, je l'ai mis ici. C'est comme ça. Là, il y a le lit. Là, il y a des placards. Et du coup, là, c'est ma petite salle de bain. Bon, petite, c'est un bien grand mot. Elle est comme ça. Il y a une petite baignoire. Et voilà. Là, j'ai une terrasse sur ma chambre. Oh, il y a un souci. Bon, là, j'ai une terrasse. Ma chambre donne sur une petite terrasse. Ah, je sais comment je vais vous la montrer. Là, ma chambre, elle donne sur une petite terrasse. Voilà. Voilà votre fausse make-up artiste en retard. Sorry, sorry, I'm late, but I want to slay Marine. Yeah. Bref. C'est bon? Ouais. Attends. Ça arrive pas. Attends, je fais comment? Allô, I'm a don't cry you. Je fais comme ça? Ouais, tu fais. So wasting time, I was just doing fine. Should I find something new, or should I be tripping on you? These decisions ain't easy. Believe me, I know. Non, il y a c'est bon? Really trying to know. Non, moi, si je vais te prendre en photo.
rien. Donc il va. Du coup là, tout le monde, eh ben, tout le monde n'est pas parti, mais là. Ouais, attendez. Voilà, je disais que tout le monde est... enfin, tout le monde n'est pas parti, mais la plupart ils sont partis. Du coup, il reste plus grand monde. Le reste, bah, ça dort. Et puis voilà quoi. Moi, je dois tout ranger. Du coup, là, il faut que j'arrange, mais il faut que je vous montre le bazar. Parce que c'est pas possible, s'il vous plaît. Il y a un bazar. Attendez, je vais vous montrer. Et je vais vous montrer. Et encore, ils ont arrangé un peu hier avant. Catastrophe. Du coup là, il faut que j'essaye d'arranger un peu. Il est encore tôt, hein. Et au moins c'est fait, vous voyez. Comme les autres, ils dorment. Moi, j'arrive pas à dormir. S'il vous plaît, depuis, je dors pas. J'ai pas dormi. Et tout le monde dort là. Du coup, bah, je vais ranger. Hein. Je vais mettre à profit mon truc. Il faut que je mette les boissons pour d'aujourd'hui au frigo. C'est comme ça, elles seront bien fraîches. Puis voilà quoi. J'espère que ce vlog vous plaît quand même. Je sais pas comment il va être monté, tout ça. J'ai beaucoup profité. Franchement, je me suis vraiment amusée. Boy got the full body do-rag out. Drop the roof and let the smoke clear. I got diamonds doing tussy slides in both ears. Dice rolling on the Las Vegas strip tonight. Bon, du coup là c'est les boissons pour ce soir. Il en reste encore, il n'y a pas que ça. Merci de confirmer ta présence avant le 20. PS plus fort. PS l'invité n'invite pas. Il faut sourire un peu dans le vlog. Pour ce soir. Faut détacher. Pardon, c'est là pour moi, hein. Marie, il faut. C'est là pour moi, hein. C'est les gens qui ont été emmenés, hein. C'est l'anniversaire, là. Oh, ceux qui sont pas venus, là. Ils sont ratés ou bien? Mal. Ils ont mal zone. Ah. Yeah. Bon, ok. À tout à l'heure. S'il vous plaît, moi je suis très énervée là parce que j'ai faim. J'ai commandé et depuis. Ça va faire une heure qu'on attend. Non, une heure. Ça fait une heure qu'on attend. Je vais checker s'il vous plaît. Une heure. Regardez prospect. J'ai la dalle, j'ai trop faim. Elle a maigri vraiment. Bien sûr. Bon, enfin, c'est pas trop tôt. Du coup, là, je suis en train de faire le tour de la maison pour vérifier que personne n'a rien oublié, n'a rien laissé. Vraiment, ils m'ont envoyé le PQ. Je suis tellement épuisée. Voilà. Il me semble que j'ai pas fait de home tour de la maison vide sans décoration et tout. Du coup, bah là, je vais le faire. Je vais vous montrer la maison. Du coup, là, on rentre comme ça. C'est le petit salon. Enfin, petit, mais grand. Voilà. C'est sympa. C'est comme ça. Comme oui, Lélo. Au revoir, le salon. Attends, on va faire la cuisine. Je suis trop bête. Au revoir, la cuisine. Au revoir, la salle de bain. Au revoir, les chambres. Au revoir, le frigo. Au revoir, tout. C'est le vlog de mon anniversaire. J'essaie de vous faire un petit montage sympathique à regarder. J'espère que ça vous a plu. Du coup, là, c'est l'instant story time de cette vidéo anniversaire. Parce que rien ne se passe toujours comme prévu avec moi. Restez bien assis parce que franchement, cet anniversaire
Eh, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Mais franchement. Bref, première péripétie qui m'est arrivée, c'est ma prestataire gâteau miniardise qui m'a fait une phase. Je l'avais déjà prise, cette prestataire. Du coup, je lui recommande mon gâteau d'anniversaire. Je lui commande les miniardises, donc mini pizza, mini truc. Vous voyez, le buffet, etc. Du coup, je paye la totalité de ma commande. Non, parce que non, faut le dire. Je paye la totalité de ma commande. Je paye tout. Peut-être, je sais plus combien de temps avant mon anniversaire. En tout cas, moins d'une semaine avant mon anniversaire. Elle me contacte et tout. Et elle me dit, oui, le gâteau d'anniversaire ne pourra pas être fait comme vous l'avez demandé. Parce que tintinti, tintintin. Elle m'explique plein de trucs. Eh, j'avais le seum. En fait, le truc, c'est que je l'ai reprise parce que je m'avais déjà fait un gâteau. J'avais déjà goûté, j'avais apprécié, etc. Du coup, c'est pour ça que je l'ai reprise. Quand elle m'a dit ça. En plus, elle m'a dit ça une fois que j'ai fini de payer en totalité. Et je lui en veux même plus, là. Mais genre, sur le coup, j'étais tellement énervée. Genre, j'ai payé en totalité. Et maintenant, tu viens me dire, oh, oui, mon gâteau, il pourra plus être fait comme ci, il pourra plus être fait comme ça, parce que ceci, parce que cela. Là, j'étais énervée. Mais en fait, genre, j'ai laissé passer parce que j'avais déjà goûté ces trucs. Et je me suis dit, vas-y. À ce temps-là de l'anniversaire, tu vas pas trouver une autre prestataire qui pourra te faire des trucs. Ils vont te dire, c'est trop tard ou je sais pas quoi. Genre, il fallait contacter avant, etc. J'ai laissé passer. Première péripétie. Seconde péripétie, à moins de 24 heures de mon anniversaire. Eh, je t'en veux même pas. Je sais que tu vas regarder la vidéo. Eh, c'est mon sang. C'est mon frère carrément. Mais je t'en veux même plus. Hein. Je t'en veux même pas. Genre, à moins de 24 heures de mon anniversaire, mon DJ me contacte pour me dire que il peut plus mixer pour mon anniversaire. Il me contacte pour me dire oui, il a un souci, il pourra plus mixer. En fait, j'étais dans mon fauteuil en train de finaliser les derniers trucs. Quand j'ai vu son message, quand je vous dis que mon cœur, il a fait comme ça. Fou. Je me suis dit quoi? Comme si j'ai pas bien réalisé. Je redemande sérieux? Il me dit ouais. J'étais tellement dépassée, j'ai appelé ma copine. D'ailleurs, quand elle m'a regardé le vlog, j'ai appelé ma copine. Je me suis dit, j'appelle ma mère. Le truc de la prestataire. Mais non, le DJ, j'étais énervée, je pleurais. Et ma mère, ma copine, Gogo, on était là. On était en train de chercher une solution, un autre DJ. Un DJ qui puisse venir avec son matériel. Parce que tu contactes un DJ, il te dit que oui, c'est à toi de fournir le matériel. Mais moi, je vais le trouver où le matériel? Dis-moi, à 24 heures de l'anniversaire, je vais le trouver où le matériel du DJ? Du coup, on est là, on cherche. On trouve un. Faut voir comment il m'a allumé le devis. On en trouve un, il faut voir comment il m'a allumé le devis. Quand j'ai vu le prix du devis, j'ai dit pardon? Je crois que c'est un prank là. J'ai dit mais... Eh, j'étais énervée, ça m'a encore fait plus pleurer genre. En fait là, je pleurais pour tout. Je pleurais pour tout et n'importe quoi genre. Eh, je versais des larmes. J'ai dit non, c'est pas possible. Je vais pas payer un DJ à thriller mais aussi... Tu veux faire comment? T'as pas le choix. Tu étais à 24 heures d'anniversaire. Ma copine, elle me dit, non, c'est trop cher, nanani, t'inquiète pas, on va mettre les mix, etc. Je lui dis, mais non, moi, je veux un DJ. Je veux un DJ pour mon anniversaire. T'inquiète, ça va aller, nanana, on va trouver une solution. On est là, tous en train de se remuer pour trouver une solution. Je me rappelle, elle me dit que finalement, non, c'est bon, il pourra avec ça à mon anniversaire, etc. Je me dis que mon cœur, il a encore fait dôme. Je dis, mais attends, tout le monde veut me... Hein? Tout le monde veut me... C'est comment, là? Bref, ok. Le DJ, ça, c'est réglé. Troisième péripétie, je prends la route, etc. Pour aller récupérer mon gâteau, je récupère mon gâteau. Déjà, le chauffeur, il est arrivé avec du retard pour aller récupérer le gâteau. Sachant que je devais récupérer les clés de la villa à une certaine heure et tout. Du coup, on est là en carburant, on arrive, on récupère le gâteau, les mini-fours, etc., etc. On va à la villa et tout. J'arrive devant la villa, j'appelle, ça décroche pas. Du coup, je toque. Et il y avait des gens dans la cour. Je demande, celui qui gère la villa, il est où s'il vous plaît pour que je puisse récupérer les clés? On me dit, il est sorti. Il est quoi? Je rappelle. Il me dit, oui, il est sorti, il arrive. Sauf que moi, je dois accueillir la prestataire qui vient me livrer la décoration. Ah, on va mettre la décoration dans le sable? Non, dites-moi. On va mettre la décoration dans le sable? Dites-moi bien. Je pense que, en fait, c'était encore une goutte qui allait faire déborder le vase. J'étais énervée.
J'étais énervée. Franchement, j'étais énervée, je soufflais. Et le pauvre, le gars qui est venu me remettre les clés, il voyait que j'étais énervée. Franchement, j'ai dit, hé. Hey. C'était trop. Y a rien qui va. Y a rien qui va. La soirée se passe et tout. Du coup, je finis la décoration, j'installe la déco et tout. Je suis en train de me préparer et tout, de me faire maquiller, etc. Là, je suis un peu plus pisse, je suis un peu plus détendue, je respire, genre. Je me détends, je rigole avec mes copines, on est dans la chambre, on est en train de se préparer. En fait, rien de présageait, rien de mauvais. Ça, le DJ m'appelle, il me dit, ouais, j'ai crevé. Genre, le pneu de sa voiture a crevé. Quand il m'a dit ça, en fait, j'ai dit, ok, j'ai déposé mon téléphone et tout. J'ai déposé mon téléphone, j'ai dit, tu sais quoi? Je fais quoi? Vous voulez que je fasse quoi? En fait, je lui en veux pas. Et genre là, je relate les faits. Bref, à un moment, il est arrivé, etc. Il est arrivé pile au moment où, genre, les premiers invités arrivaient. Dieu merci, il est arrivé pile au moment où les premiers invités arrivaient. Je suis sûre qu'il va s'installer et tout. Vas-y, tout va bien. Répétition suivante. Je finis de me préparer et tout. Et genre, là, je descends. Je vous ai dit, j'avais loué une villa. Du coup, il y avait une petite terrasse devant et tout. Et genre, je suis sur la terrasse et tout. Et il y a un voisin d'en face qui vient, il me dit, madame, vous pouvez baisser la musique, s'il vous plaît. On était au début de la fête. Hein. Et j'avais averti hein, que c'était une fête. Le propriétaire, il savait que c'était une fête, etc. C'était convenu. Du coup, le gars, il vient me voir et il me dit, madame, vous pouvez baisser la musique, s'il vous plaît. Genre, je le regarde comme ça, je lui dis, pardon, baisser quoi? Non, c'est pas possible, monsieur. Je suis désolée, mais là, c'est pas possible. Genre, déjà, la musique, elle était pas forte, je trouve. Mais là, il me dit, oui, vous pouvez baisser la musique. Tu vas pas me dire de venir baisser la musique. Ah non. Tout sauf ça. Ah non, tout sauf ça. Tout sauf ça. Je lui dis, monsieur, c'est pas possible. Il me dit, ok. Je pense qu'il a vu sur mon visage que, hein. Il me dit, ok, il est reparti. Du coup, voilà, la soirée se passe, etc., etc. Et on finit la fête, tout va bien. Et puis voilà, quoi. Voilà, c'est la fin de ce vlog. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à liker, t'abonner, activer la cloche de notification. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.